décider de mettre ensemble pour pouvoir créer une structure ça au niveau du monde syndical haïtien, qui est solidarité syndicale. Comme son nom l'indique, et à travers nous, nous sommes capables d'avoir l'objectif qui est aller en aide dans le cadre d'action humanitaire. Maintenant, l'objectif qui fait que nous faisons concours à la presse, c'est dans l'optique pour que nous sommes capables de communiquer avec le grand public et surtout les concernés. Opération solidarité, coup de main solidarité tapay, dans le cadre de déportation, qui nous pas dit ni illégal ni légal, nous dit déportation massive des Haïtiens qui sont sortis aux États-Unis. Dans ce sens, solidarité a annoncé la prochaine concours. Et dans le concours, nous avons gardé trois grandes régions. Grand Sud, Grand Centre, Grand Ouest et Grand Nord. Et l'intervention par nous, il va axer sur déportation et avion qui a atterri dans l'aéroport international du Cap Haïtien. Dans l'aéroport international du Cap Haïtien, solidarité était présente et c'était dans l'optique d'une collaboration franche avec le directeur départemental ONM au Cap Haïtien, Kerwin Augustin. Et nous avons travaillé ensemble avec lui qui a recevoir la rapatrié. Nous-mêmes, au niveau de solidarité, nous avons dit qu'il n'y a pas long concours dans la question de transport, accueil. Ce que nous avons fait. Et pour nous faire ça, nous avons commencé l'opération. Dans la date mercredi qui est 22 août, et nous sommes présents avec des autobus pour que nous soyons capables de porter concours pour nous déposer des airports pour nous déposer dans le terminal. Dans le terminal, c'est-à-dire. Dans le gars qui va recevoir les rapatriés qui va aller dans différentes zones. Ce que nous avons fait, et pour jouer ça, et solidarité a été transporté environ 140 personnes qui étaient sortis dans trois vols différents qui étaient descendus dans l'aéroport international Cap Haïtien. Nous avons mis dans l'aéroport là, nous déposons dans le terminal pour que chaque monde qui va aller dans différentes zones soit capable, avec concours, que nous pas fait promotion pour OIM. Mais qui était impliqué dans l'opération, ça, il était mis au moyen pour qu'il soit capable de continuer à l'accueillir. Et qui t'a pas vous suivre en jeudi 23 septembre, nous avons reçu trois vols aussi, solidarité a été présent dans le cadre d'accueil et transport, j'en ai sorti là, de l'aéroport international Cap Haïtien à terminal. Nous avons reçu 283 qui nous ont fait concours en matière de transport. Et vendredi, qui était 24 septembre, tu es toujours deux vols, trois vols. Dans trois vols, tu as 150 enfants et 250 adultes, qui étaient totalisés environ 400. Rapatriés qui étaient rentrés dans le pays, solidarité était présent. Et dans samedi, nous avons deux vols qui étaient totalisés 293. Solidarité a été transportée. Ça qui t'a pris au total pour 4 jours d'intervention solidarité, qui t'a pris au total 1117 rapatriés, nous avons voté concours. Et à tel enseigne, dans vendredi qui était 23, nous sommes même arrivés, gagnons un autobus qui était soutenu à l'aéroport international Cap Haïtien, qui était arrivé jusqu'à Port-au-Prince et qui était voté 69 monde pour qui t'appelle dans le grand supplat. Donc en gros, ça nous conseille de rentrer dans le cadre d'activité sur la question de déportation, solidarité, j'en ai été promis, il était fait travailler. Jusqu'à présent, et nous pensons qu'il y a un pile qui a rentré toujours, même jeudi à la même, parce qu'il y a eu un escort, solidarité n'est pas présent parce que nous avons besoin de mettre nous d'accord pour que nous soyons capables d'organiser nos présents et parce qu'il était question que le processus-là a campé. Parce que le processus là a campé, mais qui va camper parce que hier, il y a trois vols qui ont atterri au Cap Haïtien, mais faute de planification, disposition, solidarité n'est pas présent. Et je dis encore, nous informer, il y a quelques avions qui descendent là au Cap Haïtien. C'est juste pour que nous capables d'informer nous, via responsabilité nous, différents secteurs, différents groupes, différentes tendances dans la société, pour nous capables d'assumer responsabilité nous. En gros, c'était bilan partiel ça, que nous avons une vision.
pour que nous soyons capables de partager avec le grand public dans le cadre de responsabilité, de solidarité à gagner, dans le cadre de déportation qui est estimé comme une action humanitaire. Merci. Analyse qui résoudre ces questions de solidarité syndicale. Solidarité syndicale, là, son organisation, nous prend engagement, nous publions déjà, que pour nous présents, tout côté que nous capotons coup de main aux populations, hein, l'air a fait face à des as, l'air a fait face à problèmes difficiles. Nous déjà préparé pour intervenir dans plusieurs domaines. Et nous, comme nous dit, nous avons continué à intervenir dans plusieurs domaines. Mais il y a une urgence qui est arrivée, que tout le monde attendait, c'est dimanche dernier, dimanche 8e, le ils ont annoncé qu'on va commencer à refouler les réfugiés haïtiens. C'est une situation qui est dramatique, parce que nous connaissons les gens qui sont sortis. En pile là-dedans, ils sont sortis au Brésil, ils sont sortis au Chili, ils sont passés en Colombie, ils sont rentrés au Mexique, et ils étaient entre 10 000 et 14 000 qui étaient venus trouver en bas au pont, qui partageaient les États-Unis avec le Mexique, c'est le pont del Rio. Ce n'est pas en bas au pont, on doit le vivre. Mais la situation, c'est que les gens tu es pensé que tu as une chance de rentrer aux États-Unis parce que tu as compris que tu as couru frontière États-Unis dans la zone ça pour l'ouvrir. Il y a des gens qui disent que tu as un piège parce que la zone qui dit frontière pour l'ouvrir, c'est une zone qui est plus conservateur qui est aux États-Unis, c'est l'État de Texas. Okay? Et nous connaissons le gouvernement démocrate, ça t'a étonné pour Texas pour quitter les réfugiés entre la caille. Donc, ils ont commencé à masser, ils étaient 2-3 000, ils sont arrivés 14 000, et on a préparé tout partout, au Brésil, au Chili, ils descendent en Colombie, ils étaient 20-30 000 monde, jusqu'à présent, ils sont toujours, qui ont compris la nouvelle, qu'ils ont refoulé vers Haïti, mais qui continuent à descendre. Lundi dimanche, première vague refoulée, l'arrivée sous Port-au-Prince. J'étais plus d'une centaine. Nous pas hésiter, parce que cette solidarité syndicale-là, on a parlé de qui s'allier tout à l'heure. Nous mettons tête ensemble pour nous réagir les difficultés dans le pays. Hein, parce que nous tout pas dans le pays. Hein. Eh bien, nous pas hésiter pour nous commencer à mettre ensemble, nous ensemble déjà, à prendre disposition pour nous réagir. Mon yon profoulé, c'est les Haïtiens qui sont tout partout en Haïti. Yon moun nan nord, yon moun nan sud, yon moun nan ouest, yon dans tout 10 départements. La première réaction nous, c'est d'organiser pour que nous fassions une réponse rapide, mais une réponse efficace et une réponse efficiente. Parce que dans le 10 matin, les notes des nouvelles là, organisation, en fait, responsabilité de l'État, c'est avec les intérieurs, c'est avec ce que vous savez, et bien organise qui était placé pour ça, les deals d'un seul autobus pour le transporter. Nous sommes vivants en drame, nous déportons en mauvaises conditions. Le monde qui a cherché la vie, il ne pas voler, il ne pas faire mal, que y a même droit, tout réfugié a droit, mais nous tiens dans le pays, nous noter, nous déporter vers Haïti. Et il y a des gens qui perdent tout ça, été réalisé dans 5 ans. Il y a des gens qui vont entrer dans le pays, qui vont commencer à vivre. Nous n'avons pas cap dans la responsabilité pour nous dire que nous allons remplacer l'État. Mais en tant que citoyen, patriote, qui est sensible, la décision nous prend, c'est que nous diviser le pays, la zone où nous avons patrié au Carotonné, en trois grandes régions. Nous prenons le Grand Sud, côté un syndicaliste militant que nous connaissons. C'est un changement. Ok, il y a responsabilité pour l'accueillir nous. La grande nord là, qui est très très large, nous avons un camarade ça qui est avec nous, c'est Saint-Jean-Philippe, qui la zone dans tout, qui a fait un gros travail déjà, qui prend responsabilité en cadre de solidarité syndicale pour l'accueillir nous.
Et le grand centre qui couvre le progrès là-dedans, nous avons le camarade, Sanogier, Rémi Sanogier, Sanogier Rémi, qui vient prendre en charge de région Sanogier. Comme nous, trois personnes qui sont cité là en premier, c'est trois premiers personnes qui viennent à aider pour nous former la solidarité syndicale là. C'est surtout après le tremblement de terre, les nouvelles ont pile problème dans le pays. L'État qui a une réponse pour eux, mais nous-mêmes en tant que citoyens, en tant que patriotes, nous avons voté contre coup de main par nous. C'est le sens que ça nous fait. C'est d'abord un geste bénévole, un geste volontaire, un geste patriotique. Donc, je dis, nous avons deux camarades Sayo qui sont importants. Bienvenue là-dedans, bon, je n'ai pas à dire, c'est je suis tellement sous pression et je suis intention de monter. Il y a de la matière, c'est ça, non, Jérémy, mais obligé, parce qu'il y a un docteur, à faire l'analyse. Et puis, supposé pression, ça y est, dans le monde, dans le pays, qui croit le peuple haïtien. Je subis la pression, ça, le gâteau, question médicale, là, une importante. Nous gagnons, et Mélu Changeux, qui lui-même, c'est vrai, venir tout, malheureusement, il habite sous le carrefour, et on connaît, il y a un monde qui prend certaines précautions. Ok, c'est vrai, on a le camarade qui a choisi la avec nous, mais il y a l'autre qui a dit, plutôt que pas visible, si on saute nos gros réunions comme ça, côté devant nous, les retours de la caillou, nous prenons sa capacité. Nous quittons la question ça, qui est la question sécurité. Nous parlons ça dans le programme pour intervenir dans la sécurité, directement. Mais nous gagnons pour intervenir dans la quantité de côté, en tant que solidarité syndicale, pour nous résoudre. Problème qui a résolu dans le pays. Par exemple, accident qui est sur route. Comment expliquer que nous-mêmes, surtout nous, ces jeunes, risquent d'apprendre à déplacer dans le pays, surtout dans la province, de nous tenir près de 100 personnes à mourir par accident de la route. Ok, c'est plus jeune. Tout le monde qui est sur route là, c'est le monde qui est plus valide, le monde qui a plus fait effort, plus fait avancer, de toute la victime. Donc, solidarité syndicale là, il fait face à problème ça, je dis. Alors, camarade Brassé, pas de plus de détails sur ça, mais ce n'est pas ça que nous avons occupé. Nous avons entré dans une quantité d'activités. Par exemple, et formation pour les gens qui traversent les routes, dans la province, dans le carrefour, effort qui doit être fait pour mettre les lumières, le trafic, sur tout le monde. Pour quantité de bonnes bagailles, nous ne pouvons pas attendre le gouvernement faire pour eux, parce que le gouvernement, très souvent, il va faire. Ok? Donc, il y a à occuper. Mais nous-mêmes, en tant que citoyens, il faut une responsabilité pour intervenir, pour nous porter contre nous, parce que pays, c'est pays pas le pays. Ce n'est pas pays personne d'autre. Ce n'est pas quitter pour nous pour quitter. Les gens qui quittent le lieu, je dis ça. Je suis déjà à l'autre bord. Si on a une amélioration, pas chercher, peut-être dans ces circonstances difficiles, puis chercher à rentrer pour capter aux sous-frontières, pour nous, au Texas, pour nous, ok. Mon sous-frontière, Texas, policier Texan, a lancé eux quand vous étiez ancien esclave. Ok? Ça n'est pas acceptable. Et la loi internationale condamne ça. Ça arrivait. Ok? Bien sûr, nous-mêmes, en tant que peuple, nous devons réagir. Mais nous avons dit tout. Nous ne pouvons pas dire, pour ne pas dire, le gouvernement doit chercher à faire plus pour les Haïtiens, surtout les jeunes, car ils ont la caillou. Ils ont le travail. Sécurité, n'est pas acceptable. Mais ce n'est pas de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Mais l'oublier mentionnel, parce qu'il fait partie du problème de tout. Il faut nous chercher des solutions. Bon, je ne vais pas parler plus que ça, plus ça que ça. On va changer de place avec camarade là, parce que pour nous, il y a de place et tout qui est pour nous. Merci. Non, changez de place. Ah, je vais être là, monsieur. Je vais être là, monsieur.